Eh bien salut tout le monde, c'est The Jukebox 114. Aujourd'hui on se retrouve pour un live commentary sur M2V3. Je suis tout seul donc je suis en compagnie de personne évidemment. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire ça avec un générateur de classe. Donc un générateur de classe, c'est un truc qui dit votre classe exactement, mais tout dans tous les détails. Et des fois ça peut vous tomber sur un truc débile, donc je mettrai bien du site dans la description. Donc j'ai lancé le générateur. Ok, je suis tombé sur ça. Franchement, c'est une classe pas trop mal. J'ai beaucoup de la chance. Et donc voilà, vous regardez, l'autre jour j'ai fait des trucs et puis franchement, j'ai tombé sur ça. C'est vrai que je déteste les 118. Alors, première. Ok, fusil d'assaut, FAD, accessoires. Pardon, je respecte d'avoir tout. Ok. D'accord, j'ai aucun des deux accessoires. Donc, on va dire viseur laser et. Et une grenade. Ouais. On est fou. De toute façon, c'est. Dans MW2, on va dire qu'il faut faire des kills au lance-patate. Hein. Et camouflage, c'est urbain numérique. Ok. Ensuite, déjà, je dois mettre ça. Parce que la seconde arme, c'est la MP7. Putain, franchement, vive la classe, quoi. Autant dire que j'ai plutôt joué avec la seconde arme, à mon avis. Alors, mitraillette, MP7. Alors, il faut quoi? Corps à corps et tir rapide. Oh putain, vieux académique. Et camouflage classique. Voilà. Ensuite, grenade frag, insertion tactique, condition extrême. C'est bon, sur un moment c'est bon. Et silence de mort. Ok. Ensuite, je dois jouer en spécialiste et je dois mettre visée solide, assassin et pillard. Ok, bon, on n'est pas trop mal équipé, on va dire, donc c'est parti. J'ai lancé une élimination confirmée. Et on se retrouve quand j'aurai trouvé un accueil. Donc nous revoilà dans un accueil. J'ai attendu quelques secondes, j'ai dû attendre 30 secondes le temps de trouver un accueil. Donc putain, franchement, j'ai l'air d'être dans une équipe d'abrutis, j'en sais rien. Bref, de toute façon, ma classe, elle est à peu près adaptée. Elle peut réadapter dans la map, puisque dans la map c'est vrai, dans les bâtiments je pourrais prendre MP7 et puis dehors je pourrais prendre le FAD, c'est vrai. Merde, par contre, je viens de voir un truc, c'est que j'ai pas changé la série de morts. Normalement, c'est faut mettre à main de mort et je crois que là je suis en vengeance. Normalement, fallait que je mette à main de mort, tant pis, c'est pas très grave. Donc, c'est parti. Franchement, la classe ça va, franchement. Je vais foncer dans MP7 d'abord. Ok, c'est parti. Putain, MP7 si rapide, je sais pas si ça se vit dans 2 secondes ou. Ah non, putain, j'ai senti un couteau lancé. Attendez, il y a un spatate, autant en profiter. Hein. Ah, les enfoirés! Ah, il va jouer comme ça. Eh, moi je dis, il va jouer comme ça, on va jouer en spatate. Putain, il fait peur lui. Ah, viens là, petit salopio, voilà. Mais non! Putain, ok. Rajons pas. On fait quand même un 2-2. Et la queue est pourrie. C'est génial. Non, c'est... donc, je voulais dire que je vais partir... D'accord, merci, c'est gentil. Je vais partir... je vais bientôt partir en vacances, donc c'est vrai que je pourrais plus vous proposer de vidéos sur la PlayStation, parce que tout simplement que j'emmène pas en vacances, voilà. Putain, c'est vrai que c'est stressant. Hein. C'est vrai, donc je m'emmènerai pas en vacances. Et la seule chose que je pourrais faire, c'est du audio surf. Donc, du coup, vous aurez toutes les semaines un épisode d'audio surf, bah, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Ok, lui il va arriver par là, petit coquin. Oh oh oh. Reviens, voilà. Ouais, bon, je m'en sors pas trop mal. Hein. Finalement, ça va. J'ai cru que j'allais faire pire, mais finalement, je m'en sors pas trop mal. Bon, c'est vrai que ma classe en même temps c'est pas la plus dure du monde, vous me direz. Je vais partir en vacances et déjà je vais passer quelques jours chez Itachi, donc j'ai fait des bisous sur les fesses. Ah, putain, oh j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, hein, franchement j'ai eu de la chance. Parce que c'est vrai, franchement il m'aurait vu. Putain, c'est vrai, j'ai pas tiré en élite, c'est vrai que ça serait utile. Allez, on va poser notre attraction, je sais pas où. On va poser là. Comme ça on n'est pas trop près du spawn. On n'est pas trop près du spawn ennemi plutôt.
Oh putain, même avec le tir rapide, elle a pas de recul. Putain, c'est complètement abusé. Wow. Allez, meurs. Putain, je vais me mettre à l'abri là. Ok. Tout va bien, on fait un 8 à 2. Oh toi. Putain, j'ai failli pas le voir. Et imaginez, je fais ma mob. Si je fais ma mob, je mets une photo de mes fesses à la fin de la vidéo. Ouais, bon. Mais on faut pas s'enfermer trop vite parce que bon, on est en spécialiste. Ok, on va camper un petit peu. Oh, il me reste une patate. Oh merde. Le pire boulet de la vie, c'est moi. Ok, d'accord. Ok, c'est bon, il est mort. Putain, et c'est vrai que là, je commence à stresser un petit peu parce que, en fait, j'ai jamais fait une bob parce qu'en fait, mon gros problème, c'est que dès que je commence à être en spécialiste, je me mets à stresser à mort. Et donc du coup, ça fait que bah du coup, j'ai plus trop des déplacements intelligents et ça, c'est vrai que c'est assez perturbant. Merci la campeuse. Dégage, merci. Voilà, tu m'as énervé. Oh d'accord. J'avais pas posé l'insertion tactique juste par hasard. Ouais, tant pis. C'est pas très grave. Hein. Ok, alors déjà il y a un mec là-haut. Tu vas te bouffer ma patate, enfoiré. Mais qu'est-ce qu'ils ont à toujours bouclier anti-explosion aujourd'hui? Franchement, je croyais que ça servait à rien. Ouais, bon, tant pis. C'est pas très grave. Oh toi, non. Putain, j'ai cru que t'étais un méchant. Et donc, donc pendant les vacances, je vous invite à me rejoindre sur Twitter. C'est hyper important parce que là, surtout pendant les vacances, je vais être très actif parce que j'aurais que ça à foutre de mes vacances. Et donc, on va attendre. Yes, voilà, c'est comme ça qu'on gère. Et donc, c'est vrai que franchement, je vais être très actif sur Twitter parce que j'aurais que ça à foutre de mes vacances. Et donc, voilà, je vous invite. Le lien de mon Twitter sera comme d'habitude dans la description. Si vous voulez bien mourir, ça va pas trop mal. Dans la description, donc du coup, je vous dirai tout ce que je fais pendant mes vacances. Je vous dirai à 16h, j'irai à la plage. Non, je rigole, non, je sais pas. Non, je sais que j'irai à la plage, c'est sûr, mais. Déjà, chez Tachi, je suis sûr, je vais vous poser. Le défi, ce serait que je photographie. En train de dormir sans qu'ils s'en rendent compte en fait. Ce serait complètement épique si j'y arrive. Et là je vous posterai ça sur Twitter. Donc voilà, faut que j'arrive à poster une photo de lui en train de dormir. Je sais qu'il y avait. Parce que justement cette idée c'est parce que il y a pas très longtemps j'avais dormi chez un pote. Et il m'avait pris en photo en train de dormir et donc du coup il m'a fait aller chez. Tiens je vais poster ça sur Facebook et. Et moi j'ai fait non foiré tu fais ça je te bute comme dans Call of Duty non regarde non j'ai pas dit ça mais donc après il m'a dit je rigole je vais pas poster sur Facebook mais il m'a dit c'est vrai que ça serait marrant et ok dégage et donc voilà donc non voilà oh merde ouais bon pour l'instant j'ai cru que l'équipe elle était pas très très forte mais finalement c'est vrai que mon équipe elle est pas trop mal je dois reconnaître j'ai peur d'être mort ok non c'est bon. L'ennemi s'est directement présenté devant moi, c'est plus pratique. Putain, et dire que j'étais en. Putain de spécialiste! Putain de couteau! Pourquoi je joue en tactique? Je devrais m'acheter une scuff. Au moins, avec les gâchettes, j'aurais pas de soucis avec le tactique. C'est vrai qu'avec le tactique, c'est vrai que je vais abandonner les coups de couteau. Viens là, petit enfoiré. Petit enfoiré. Non, tu veux pas venir? Ok, j'y veux, on se patate, je m'en fous. Non, ok. Putain, c'est stressant, ce jeu est stressant. Ok. Là-haut. Attendez, j'ai un lance-patate, autant que j'en profite, d'accord? Ok, MP7. Non, personne. Putain, et pourquoi à chaque fois que je vais dans un coin, il n'y a jamais personne? Oh! Et bien sûr, quand je détourne le regard, il y a quelqu'un. Merci, super relou. Ok, bon, on va essayer de retrouver un petit peu de concentration parce que c'est vrai qu'un live commentary, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire un bon score. Ah, mais il était où? Oh, l'enfoiré. Ok,
qui jouait avec Assassin et qui jouait avec un petit silencieux, le petit coquin, l'enfoiré. Y a quelqu'un là-dedans? Pas très vite ce soir. Non, y'a personne. Putain, je me suis fait arnaquer une patate. Ok, cette fois on va pas se faire voir. Mais c'est dégueulasse! Putain, et pourquoi il. Ok. Déjà, non seulement la connexion est pourrie, en plus ils se mettent à camper comme des putes. Putain, vive le jeu! On va foutre une patate en plein là-dedans, ça va toucher. Non. Oh, y'a un mec. Y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec, y'a deux mecs! Y'a deux mecs! Y'a trois mecs! Non! Putain! Et d'ailleurs, je suis désolé d'avoir niqué vos. D'avoir niqué vos oreilles, d'ailleurs, ce cri. Ce cri extrêmement aigu, presque de ultrason. Je sais pas comment il est sorti d'ailleurs. C'est, je crois que c'est un exploit. C'est en fait, c'est quand je suis. C'est parce que je devais être extrêmement stressé, ça doit être ça. Oh oh! Oh. Ok! Vive le kill! Franchement, vive le lac de compensation extrême, même si je ne suis pas haute. Non, c'est juste qu'en fait, la co est, elle est tellement pourrie que le kill arrive en retard. Puis lui, à mon avis, devait avoir un lac de compensation. Okay. Parce que c'est vrai qu'Astoria, il y a encore des Américains qui jouent comme il est 9h52, enfin presque 10h. C'est vrai qu'il y a encore des Américains qui jouent le soir, parce que là en Amérique, il doit être. Attendez. Il doit être. On va dire 4h du matin. Non. À mon avis, non, ça doit être à New York, il doit faire 4h du matin. Et à Los Angeles, je crois qu'il y a 9h de décalage, donc du coup. Il doit être minuit, donc c'est vrai que dépendant des états, il y a encore des gens, il y a encore des gens qui jouent et qui nous donnent une copie. Donc voilà, un petit 23-15, c'est vrai que c'est pas été une partie générale. Partie générale, qu'est-ce que je raconte? Une partie bien, mais bon, j'étais au générateur de classe et puis donc voilà, c'est la fin. Attendez, voilà, j'ai un truc bizarre. Donc voilà, c'est la fin du commentaire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à me suivre sur Twitter, comme je t'ai dit tout à l'heure, à t'abonner à ma chaîne et puis à aimer cette vidéo. Donc voilà, allez.